Alors nous assistons donc à l'arrivée de Monsieur George Weah, président du Libéria, venu soutenir la République de Côte d'Ivoire justement pour ce 62e anniversaire de l'indépendance. Juste après lui, nous devons apercevoir donc le président Oumarou Mbalo, qui est président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui est également en train d'arriver, président de la Guinée-Bissau. Donc, comme je le disais, arrivée donc du président, à la suite du président George Weah, arrivée du président Oumarou Mbalo, président de la commission des chefs d'État de la CEDEAO et président par ailleurs de la Guinée-Bissau. Cortège officiel donc avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est sur le boulevard. Il va faire son enfin, nous allons l'apercevoir dans quelques instants seulement. Le président de la République de Côte d'Ivoire qui va donc son arrivée, qui va donc ouvrir officiellement cette cérémonie.
Donc nous assistons à l'arrivée du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Thank you.
Alors, nous assistons à l'entrée hein, sur la place Jean-Paul II du cortège officiel du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour ouvrir justement ce 62e anniversaire de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Alors, le chef de l'État est accompagné du chef d'État-major général des armées de Côte d'Ivoire.
Thank you.
Alors, cette autorisation vient donc ouvrir le défilé militaire marquant le 62e anniversaire de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Abaisse-toi, abaisse-toi. Nous allons donc assister maintenant au défilé des forces spéciales de Côte d'Ivoire. Et de la vie contre nous à l'auteur de Dieu, en plus de ses portes.
Thank you.
Thank you.
Thank you.